بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors aujourd'hui, avec les 5 MAP, on va faire quelques productions écrites, projet 3, les catastrophes naturelles. Alors, les 5 MAP, les catastrophes naturelles, l'inondation, l'incendie et bien sûr le tremblement de terre. Très bien. Alors, on va lire la consigne à Talima. هنا غادي نعرفوا سي كوا اون كاتاستروف ناتوريل و لو ميتيي لي ميتيي باردون لي ميتيي اللي غادي يدخلوا في لي كاتاستروف ناتوريل. الوغ حنا شفنا ربعه تاع لي ميتيي مع بعض، شفنا لو ميدسان لو سولدا لانفيرميي اي لو بومبيي. هادو نسموهم دي سوفتور المنقذون، دائما نقولهم في لي كاتاستروف ناتوريل. تري بيان، اون va lire la consigne en 4 à 5 phrases. Explique ce qu'est un tremblement de terre, une inondation, un incendie et quel métier intervient dans ce genre de cas. Très bien. Alors, on va parler de puis Arbat, il a 5 jumel, Ishrah. Explique, Ishrah. Donc, là, c'est Harf Shin, Ishrah. Azilzel, tremblement de terre. Al-Fayadanet, les inondations. أو الفيضان، الحريق، الانسوندي. وأي مهنة تتدخل في هذه الحالة؟ وجب الانتباه هنا إلى كلمة ميتيي. Alors on va dire les métiers اللي غادي يكونوا في هذه الكارثة الطبيعية، لأنها مفردة تتكلم عن مهنة واحدة، وأول من يتدخل في حالة حدوث كارثة طبيعية هم الحماية. Donc, l'awalin li kono f les catastrophes naturelles, c'est les pompiers qui interviennent toujours pour aider les blessés, les victimes. Voilà. Exemple. Donc, on va lire une catastrophe naturelle. Kalita tabi'iya. Alors, quand la terre bouge, indama tataharak l'ard, et le sol s'ouvre, wa tuftahu l'ard s'ouvre, c'est un tremblement de terre. C'est quoi? C'est un tremblement de terre. Les pompiers aident les blessés. Alors, c'est quoi le métier de la personne qui s'occupe dans les catastrophes naturelles? C'est les pompiers. Donc, là, les verbes au présent de l'indicatif. Les pompiers, je les remplace par il avec s, aide, ent, donc c'est le présent. Les blessés courageusement. Yani bishajara. Point. Alors, je me laisse les pompiers. Il avec S, donc c'est toujours les pompiers. Cherche, le verbe chercher au présent de l'indicatif, c'est un verbe du premier groupe. Les victimes, on dit les victimes, ou bien les blessés. Il avec S, toujours les pompiers. Casse, ou casseront, le verbe casser, c'est un verbe du premier groupe. Casse les murs, al-jodran. Avec le marteau-piqueur. Alors, marteau-piqueur, c'est un nom composé, composé de deux mots. Alors, entre les deux mots, on trouve un trait d'union. Alors, le matta, plural arabia. Alors, les noms composés de nom, soit n'a binatum a avec accent grave, soit n'a la préposition de, soit n'a heda al matta ou la le trait d'union. Quel noble métier! يله من عمل يعني نبيل نوبل. تري بيان. الوغ هنا شرحنا عرفنا صافي دير سي كوا لا كاتاستروف ناتوريل اللي ذكرناها هنايا سي لو ترومبلومون دو تيغ. و لو ميتي اللي دخل هنايا سي لي بومبيي. دونك هنا لو ميتي اللي غادي نقول سي لي بومبيي و لا كاتاستروف ناتوريل هي الزلزال سي ان ترومبلومون دو تيغ. Donc, c'est بالنسبه للكاتاستروف ناتوريل الاولى. Très bien. Alors, تما عرفنا الزلزال. Alors, la même chose, هنا c'est toujours الزلزال, mais on va changer ça veut dire on va changer le métier. Donc les au lieu de pompier, on va ajouter un autre métier. Une catastrophe naturelle. Quand la terre bouge, عندما تتحرك الارض, et le sol s'ouvre, وينفتح c'est un tremblement de terre. Les pompiers et les soldats. Les pompiers et les soldats. Donc ça, c'est un groupe nominal sujet. Alors, les pompiers et les soldats, yani, les gens ont fait wa al-junoud, cherchent, c'est le verbe chercher, avec il, avec s, e, n, t,
les victimes courageusement, yani bishaja. Les médecins, c'est un autre métier. Les médecins et les infirmiers. Donc on a quatre métiers. On a les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers. Soigne. Le verbe soigner, j'ai mal le médecin ou mal l'infirmier. يعالج et soulage ويريح les blessés الجرحى. Quel noble métier. Très bien. Donc là, la deuxième production écrite à les catastrophes naturelles. Donc la catastrophe naturelle, c'est un tremblement de terre. الكارثة هي كارثة هي الهزة الأرضية. Mais بالنسبة les métiers les داخلين, on a c'est-à-dire ici, tous les métiers interviennent. Donc, on a les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers. Donc, on a trouvé les quatre métiers dans une petite production écrite qui parle d'une catastrophe naturelle, c'est le tremblement de terre. Très bien. Alors, on a les verbes, on a le verbe chercher, on a le verbe soulager, le verbe soigner. Voilà, donc c'est des verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, qui m'a taraffouf les métiers? Ahna, qui m'a les métiers? Bien sûr, pardon, chez les métiers, les catastrophes naturelles, le projet 3, les métiers s'arrivent pour le futur, quand je serai grand, etc. Ça fait les catastrophes naturelles, ahna, s'arrivent pour l'imparfait. في حال زعما اذا طلب التكلم عن الحريق وما هي الاجراءات المتبعه دونك هنا غادي نهضروا على الحريق الحريق سي لانسوندي لانسوندي سي الحريق الوغ هنا الاجراءات سي لي با دي سا فو دير سي دي كونساي يعني النصائح شنو ندير كي تكون عندي حريق Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou là, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Alors, ماذا يجب الأفعال وماذا يجب ألا أفعال? Très bien. Quand le feu se propage, عندما تنتشر النيران, ou عندما تنتشر النار, quand le feu se propage rapidement, بسرعة, donc rapidement, c'est un adverbe de manière, rapide, rapidement. Et la fumée c'est الدخان, monte, عندما يصعد الدخان, c'est un incendie. Donc, بين بلي, كي نشوفو الدخان طالع في السما, نقولو, c'est un incendie, يعني حريق. Je ne dois pas, لا يجب أن, je ne dois pas paniquer, لا يجب أن أخاف, أو لا يجب أن أتوتر, voilà, je ne dois pas paniquer. J'appelle les pompiers, شكون هما الأولين اللي عيطو لهم, donc, Les sauveteurs, donc c'est les pompiers. J'attends les secours. Wa antadiru al, yani al isaf. Voilà. Naoudouhna, les verbes ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Quand le feu se propage. Alors, indama tantashiru annar bisura, rapidement. Wa yasadu dukhan yakunu al-hariq. Et la fumée monte, c'est un incendie. La yajibu an ahla, ou la yajibu an atawattar. Je ne dois pas paniquer. Attasilu bil himayatil madaniya. J'appelle les pompiers. Antadiru l'isaf. J'attends les secours. Très bien. Donc, hado, l'ijraat l'mutaba'a. En cas où il y a ton effet sous-air, à la production, otkor, ou, اذكر بعض الاجراءات المتبعه عند حدوث الحريق دونك دونك سي دي سي دي كونساي سي دي فوالا سي دي كونساي دونك نجمو نكتبوهم il faut il ne faut pas je dois ou je ne dois pas voilà alors la deuxième des choses في حال ما اذا طلب التكلم عن الحريق سبق ان عشته الوغ سبق سبق ان عشته دونك حاجه راهي في الباسي وحنا في السانكيام ابي ما درناش الباسي درنا لامبارفي الوغ لامبارفي هنا نسحق لامبارفي هنا درت في البريزون هنا كيسكو جو دوا اي كيسكو جو نو دوا با فير في الاول نعرفو لو فو ولا نقولو ينتشر بسرعه سو بروباج رابيدمون اي لا فومي مونت Donc, on a qui chauffe dans l'intérieur tout là, dehors. Donc, on a appris que c'est un incendie. Alors, je ne dois pas paniquer. Donc, il y a les gens à ta voiture. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle les pompiers et j'attends les secours. Alors, là, une catastrophe naturelle. Là, on a dit, n'importe là, l'incendie qui a ni acheté tout, yani acheté le hala. Voilà. Donc, voilà.
Le feu se propageait. Alors, on a donné propage, c'est le présent. Propager. Alors, on a donné le E, je m'en propager. La lettre G mal A se prononce GA. Donc, le E se prononce J. Se propager rapidement. Et la fumée montait. Donc, on a monté. Donc, on a monté, haïté. Parce que la fumée, je la remplace par L. Point. C'était. Alors, on a qu'elle a dit C. EST, c'est le verbe être au présent. Donc, on a le verbe être à l'imparfait. C'était un incendie. La forêt prenait feu. Yani, اشتعلت الغابة. La forêt, الغابة, prenait le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Prenait feu. Les animaux mouraient. Alors, c'est le verbe mourir. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, les animaux mouraient. Alors, déjà, le verbe mourir fait deux R. Alors, Nigdal IR, on dit AIENT parce que les animaux, je les remplace par il avec S. Nous, nahnu, nous appelions. Alors, on a appelé les pompiers, yani, ittasadna. Nous appelions IONS. Alors, flemme parfait, nous ou vous, dish ONSEZ, IONS, IEZ, nous appelions les pompiers et nous attendions, le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe, nous attendions les secours. Donc c'est la même chose, on a connu le sarfin le présent, ou on a la même chose, ou sarfna le l'imparfait. Donc le feu se propageait, haïté, pour ne pas prononcer le G, g rapidement, et la fumée montait. C'était un incendie. Donc, on s'arrête les verbes à l'imparfait. Donc, c'est le passé. La forêt prend les feux. Les animaux mouraient. Nous appelions les pompiers et nous attendions les secours. Voilà. Donc, ici, on a parlé d'une catastrophe naturelle. C'est l'incendie. La première production, c'est des conseils. Yani, qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que je ne dois pas faire. La deuxième production écrite. On va écrire ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a vécu durant d'une catastrophe naturelle. Donc ici, on est obligé de conjuguer les verbes à l'imparfait. Qui goulou les autres, l'hala tkoun aïcha, n'sarraf l'imparfait. Voilà, pour donner des conseils, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, l'ardia. Alors, une catastrophe naturelle, donc on se calme à la azilzel, l'ijra'at al-mutaba'a. Quand la terre bouge, le verbe bouger, c'est un verbe du premier groupe, fortement, yani biquwa, et le sol s'ouvre, c'est un tremblement de terre. Ou bien le séisme, soit on dit le tremblement de terre, ou on dit le séisme. Je ne dois pas paniquer, cette jumla daima nqoulha, la yajib an أهلا لا يجب أن أخاف لا يجب أن لا يجب أن أرتبك voilà je ne dois pas paniquer je me mets sous une table solide donc quelle est la phrase qu'on a donnée déjà floral production et il faut se mettre sous une table solide il ne faut pas sortir de la maison il faut que je monte au premier étage etc donc il ne faut pas par exemple allumer la lumière il faut éteindre la lumière il faut s'éloigner du four et du réfrigérateur qu'on a déjà donné des conseils et les conseils ça compte la production écrite donc il faut il ne faut pas ou là nada directement à la fréquence je conjugue les verbes au présent ça qui voulait les autres que le hal les acheter donc on compte déjà aïcha donc fait déjà fait ça donc on dit nous ça fout l'imparfait alors je me mets sous une table solide y a une compte tahta Salva, j'attends les secours. وانتظروا الإنقاذ. Alors, عندما تهتز الأرض بقوة وتنشق يكون الزلزال. تنشق يعني le sol s'ouvre تنشق يكون زلزال لا يجب أن أهلع لا يجب أن أرتبك أختبئ تحت طاولة صلبة وأنتظر الإسعاف voilà alors نعاودو quand la terre bouge fortement et le sol s'ouvre c'est un tremblement de terre ou bien le séisme je ne dois pas paniquer je me mets sous une table solide et j'attends les secours Alors ici, on a conjugué les verbes au présent de l'indicatif. C'est le verbe mettre, le verbe attendre et le verbe bouger.
Ah, la deuxième production, ici, déjà, j'ai vécu le tremblement de terre. عشت الكارثة الطبيعية. Alors, qui connaît عشته? Je conjugue les verbes à l'imparfait. Une catastrophe naturelle, ou bien, نجمونقولو, par exemple, le séisme, ou bien le tremblement de terre. هادوكا يكونوا عناوين. La terre bougeait. Alors, نقولنا bouge, présent. Bouger, c'est l'imparfait. Très bien. La terre bougeait fortement et le sol s'ouvrait. Alors, là, qu'elle s'ouvre, on parle de la s'ouvrait. R-A-I-T. A-I-T parce que le sol, c'est il ou la terre, c'est elle. Donc, l'imparfait, ma il ou elle, en déterminaison A-I-T. Point. Alors, c'est qu'elle a présent, E-S-T. Donc, elle a c'était, c'est l'imparfait, le verbe être à l'imparfait. Un tremblement de terre ou bien un séisme. Les deux, ça, soit on dit tremblement de terre, soit on dit séisme. Les fenêtres se cassaient. Ah, يعني تكسرت النوافذ. Les fenêtres, là, les fenêtres, je dis L avec S, se casser. A-I-E-N-T. Donc, là, c'est un verbe pronominal, mais je le prononce se. Qui joue le verbe de se, alors, là, c'est le pronom personnel. Il y a ce qui m'a ou m'a, il ou elle, ou il ou elle avec S. Se casser. Les immeubles, c'est il avec S. Tomber, le verbe tomber, c'est un verbe du premier groupe, ça, les immeubles, là, c'est le pluriel. Donc, il avec S, A-I-E-N-T. Point. Les pompiers, tenez, il avec S, aider. Alors, le verbe aider, c'est un verbe du premier groupe, ma il avec S, l'imparfait, c'est A-I-E-N-T, les victimes. Très bien. Alors, l'arbia, اهتزت الأرض بقوة وانشقت. كان ذلك زلزال انكسرت النوافذ سقطت العمارات وساعدت الحماية المدنية الضحايا سي لي فيكتيما. Alors, هنا درنا la première production, c'est qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est des conseils, ce qu'on a fait à l'oral. Il faut se mettre sous une table solide. Il ne faut pas allumer la lumière. Il ne faut pas cacher yani derrière le four ou bien le réfrigérateur. Had nasa'ih daiman nahfadhom ou nshaqahom f la production écrite li dinaha f l'oral. Amma bilnisba la production kon ajt yani ajt al hadith ou ajt al karita. Ça veut dire elle est au passé, donc je conjugue à l'imparfait. Très bien. Donc, là, le tremblement de terre. Alors, nous avons le al-fayadan, c'est voilà, donc c'est l'inondation. Alors, toujours, quand la pluie tombe, fortement. Et l'eau monte, vous voyez, ça brusquement, yani bisra. C'est une inondation. C'est une inondation. Je ne dois pas paniquer. Donc, la phrase, je coupe l'électricité. J'attends les secours. Gaffe les catastrophes naturelles. J'attends les secours. J'appelle les pompiers. Et donc, les conseils. Quand la pluie tombe, l'amtar fortement et l'eau monte. Voyez, ça brusquement, c'est une inondation. Inondation al-fayadan. Je ne dois pas paniquer. Je coupe l'électricité et j'attends les secours. Là, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Alors, عندما يهطل المطر. Donc, عندما يهطل المطر بقوة يعني بقوة عندما يهطل المطر بقوة ويصعد الماء بسرعة يكون فيضان لا يجب أن أهل أطفئ الكهرباء وأنتظر الإسعاف. هنا كنت عشت يعني الفيضان كن ديجا كن عشتو سابدير جو كونجوغ لي فيغ أ لامبارفي اون كاتاستروف ناتوريل ونكتبو لينونداسيون. La pluie tombée. Ah, là, quand on dit le verbe tomber, quand on observe le présent, là, tombe. Là, tomber a été. Donc, la pluie, c'est elle. Elle tombait fortement et l'eau montait. Alors, là, monte. Ordinara, monter a été. Brusquement. C'était une inondation. Elle emportait. Yani, hamelet. Elle emportait. Ou jarafet. Elle emportait. Les personnes et les voitures, yani jarafat nas wa sayarat. Les pompiers aidaient les victimes, yani saada
رجال الإطفاء الضحايا. نعاود نقولوها. La pluie tombait fortement et l'eau montait brusquement. C'était une inondation. Elle emportait les personnes et les voitures. Le verbe emporter, c'est un verbe du premier groupe. Yani, yajrifu. Les personnes et les voitures. Les pompiers aidaient. Donc, A-I-E-N-T, parce qu'on dit les pompiers, il avec S, les victimes, al-dahaya. Alors, هطل المطر بقوة وصعد الماء فجأة. كان ذلك فيضانا جرف الناس والسيارات ساعدت الحماية المدنية الضحايا. Donc, هنا هضرنا على لي كاتاستروف ناتورال دنا لانسوندي l'inondation et le tremblement de terre. Alors, على حسب السؤال يعطونكم في لا برودكسيون écrite. لا قالوا لي اجراءات, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire durant une inondation ou un tremblement de terre ou un incendie. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire? Sinon, que tu racontes, ça veut dire qu'est-ce que tu as vécu durant une inondation ou là d'une catastrophe naturelle. Un ansarfou à l'imparfait. Déjà, la production écrite, il y a comme la consigne, fais sarf les verbes. Les gars, le présent, tu as laissé des conseils. Ou les gars, l'imparfait, tu as laissé des conseils. Une catastrophe naturelle. Voilà. Alors, vous remercie pour les j'aime, pour les commentaires. Had Saïd, ok, Inch'Allah, le mazid, mina. لي سوجي اللي غادي نديروهم برك شجعوني ان شاء الله بليجام تاعكم باش يكون عندي المزيد من المشاهدات. الوغ ميرسي اي اوفوار.